Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 13, et non vendredi 13, mercredi 13 octobre 2021, 9h21 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, les cousins français, les amis européens et tous les autres euh, qui se joignent à moi sur YouTube, heureux de vous retrouver. À l'occasion, je fais un peu de sarcasme et d'humour, donc prenez-le pas au premier degré. Des fois, on est obligé de brasser l'arbre un petit peu pour faire tomber les pommes quand on est trop paresseux. Pour... Et c'est ce que je fais, je veux juste provoquer pour que les gens puissent réfléchir parce que souvent pour réfléchir, tu as besoin d'être provoqué, sinon on est dans un état de latence, hein? on est dans un état un peu engourdi la plupart du temps. Et l'école et le système et les médias et les politiciens sont des spécialistes de l'engourdissement du citoyen. Surtout les politiciens et les médias qui aiment bien diviser. C'est leur spécialité diviser pour régner comme les dirigeants religieux. Et c'est pour ça que je relis toujours les deux parce que les deux sont inséparables. Et tant qu'on sortira pas de ces vieux modèles de pensée qui datent de 3000, 4000 ans, il n'y a rien qui changera. Ces gens-là ne sont pas là pour faire changer les choses. Ces gens-là sont là pour avoir plus de pouvoir et plus de contrôle. Et c'est ce qu'ils font très bien depuis quatre 4000 ans. Ces organisations-là, politiques et religieuses, existent et sont très puissantes. D'ailleurs, c'est eux qui gouvernent. Il y a deux entités. Tu sais, quand tu cherches le gouvernement mondial, le gouvernement mondial, ben, ce n'est pas bien ben compliqué à comprendre. Les entités, les hauts gradés, les organisations religieuses sont probablement le fondement du gouvernement mondial et en même temps ou, ou simultanément ou pas longtemps après les dirigeants politiques. Puis les deux ont toujours fonctionné main dans la main. Et c'est au niveau de la division encore là qu'on agit. Pensez-vous vraiment que si Dieu existait, le Dieu qu'on nous présente, qu'on a créé pour nous, cet homme, encore là, un homme, Moi, je ne comprends pas que ce soit un homme. Comment ça fait que ce ne serait pas une femme? Pourquoi, dans le christianisme, Dieu a un fils et non pas une fille? Ou pourquoi pas pas pour avoir eu de chicane pour être hein, dans le mouvement woke? Des jumeaux! Avec un homme, puis une, un, un garçon puis une fille. Il me semble que ça aurait été plus simple, mais on était dans un monde patriarcal. C'est ce qui fait que ça n'aurait jamais passé, j'imagine, vendre une fille, <laughs> comme « Dieu a une fille, ah oui, ben, c'est pas, pas sérieux ton affaire là, mais si Dieu a un fils, là, ça devient sérieux. » Donc tu vois bien que ça ne tient pas debout, même quand tu es assis, puis tu es bien assis. Pourquoi pas une femme c'est un homme ou une masculinité qu'on a comme divinité la plupart du temps, mais en tout cas dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, les trois religions qui prétendent être de la même Parce qu'il y en a un qui est parti de gamique, les autres qui ont dit Ouais, ça marche cette affaire-là. On va copier. Hein? Dans le fond, c'est de copier un modèle. On le voit ça dans le, le monde des affaires. Hein? Tout le monde se copie. Et ça a marché. Puis tu divises. Puis non seulement tu divises, tu pars en guerre, tu veux envahir, puis tu t as des millions et des millions et des millions d'imbéciles heureux qui sont morts. Avec cette question fondamentale, crois-tu en Dieu hein, J'aime ça le répéter. Non, boum, t'es mort, crois-tu en Dieu Oui, crois-tu en mon Dieu Non, boum, t'es mort, mon Dieu, une plus grosse bite que ton Dieu. Donc, tu vois bien que dès le départ... C'est de l'hommerie, ça ne marche pas cette affaire. D'ailleurs, si tu remontes à, au judaïsme, hein, les fameuses trois grandes religions monothéistes, il ben, n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a été amélioré, ces gens-là ne sont pas là pour améliorer le sort de l'humanité, ils sont là pour dominer, même au prix du sang. Donc, tant que tu ne sortiras pas de ça, de ce modèle-là, qu'on est incapable de s'en sortir, ça demande un effort surhumain. Hein? Parce qu'on est accroché à l'idée de... Ça fait notre affaire. C'est bien simple aussi, c'est enfantin. Tu as un Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il y a une liste de choses qu'il ne veut pas que tu fasses. Puis si tu es dans la misère, ben c'est pas plus grave que ça, tu vas passer à travers. Endure ton sort parce qu'il n'y a rien que tu vas être capable de faire ici. Là. Puis de l'autre côté, comme on dit, après la vie, hein, à la mort, ben, on aura peut-être un endroit pour toi, un paradis ou un enfer. Donc, c'est une histoire à pas mal. On a raconté, on a rajouté toutes sortes d'événements spectaculaires là-dedans, sinon, ça, juste ça ne ça serait pas marché. Hein? Toujours sans témoin, des miracles, Moïse qui aurait. Qui descend du mont Sinaï, il a vu Dieu. Euh, dans l'histoire, c'est qu'il s'était euh, présenté sous la forme d'un buisson ardent et <laughs> lui aurait remis, gravé de son doigt de, de tout-puissant, une liste de dix commandements. Pourquoi dix? Parce que ça sonne bien à l'oreille. Onze commandements. Vois-tu Moïse descendre du mont Sinaï et dire aux Juifs. J'ai onze commandements pour vous autres. Quoi, onze commandements? Get the fuck out. Dix, ça sonne bien. C'est une question de marketing. Les dix meilleures chansons, les dix meilleurs films, les dix plus belles robes, les dix meilleurs ceci ou cela. Donc, ça sonne très bien. C'est la base du système métrique aussi. Puis tous les autres miracles, on a rempli tout ça de miracles et d'accomplissements et de miracles et d'accomplissements, toujours sans témoins, sauf les, la gang proche, hein? la gang proche, la clique, les autres, qui ont tout vu, puis ils vous confirment que c'est arrivé, ils ont tout vu. <laughs> puis c'est rempli comme ça, et comme ça, de récits. Puis ça fait notre affaire, on ne se casse pas la tête. Je regarde l'histoire, il n'y a rien qui a changé, c'est juste des conflits, des récits, de guerre, des tueries. D'ailleurs, le Vatican, si on parle du Vatican, n'a jamais rien fait pour faire changer quoi que ce soit. Il n'est pas là pour renverser des gouvernements, faire des révolutions. Il est là pour ne pas casser des œufs, avoir toujours ses avantages fiscaux, ses avantages de pouvoir, puis de travailler de connivence avec n'importe quel gouvernement. Lui, le Vatican, le pape, ça ne le dérange pas. Un pays où il y a un tyran, C'est pas plus grave que ça. Tant qu'il peut aller. <laughs> Soutirer de l'argent à, à ses ouailles dans ce pays de tyrans-là, il ne va jamais condamner un dirigeant totalitaire. S'il l'accueille puis lui permet de dire deux, trois messes à un troupeau de 100 000, 200 000 ignorants primitifs qui vont le voir, puis il peut leur soutirer de l'argent tout au long de l'année, faire vivre et enrichir l'Église catholique, il ne dira jamais un mot contre un dirigeant. D'ailleurs, depuis 3000, 2000 ans et plus, l'Église n'a pas révolutionné le monde. Parce que ce n'était pas le but de révolutionner le monde. Le but, c'était de s'étendre partout, faire de l'argent. C'est un modèle d'affaires. Puis tu as du monde qui se sont lancés là-dedans, en hein, devenant euh, frère, curé, ou peu importe, dans les différentes positions dans la hiérarchie. Puis ça, ça vaut des milliards et des milliards, l'Église catholique. Il y a des... Les immeubles partout, de l'immobilier partout, ne payent pas de taxes, ne payent pas d'impôts, pas de taxes foncières, nulle part. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas déranger les dirigeants, même les plus meurtriers. Dès qu'ils peuvent être invités par le dirigeant meurtrier à, à venir faire une petite visite aux ouailles, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui changera jamais. C'est ça la réalité. On n'en parle jamais, il n'y a personne qui a le courage de parler de ça. Quand tu es à la. Tu regardes les informations euh, de masse, les chaînes de télé nationales. On vous parle du Saint-Père, du saint ceci de l'évêque cela, de l'évêque ceci, alors que ce monde-là devrait être condamné sur la place publique par tout le monde comme des escrocs. Mais ça ne se fait pas. Tu as des histoires de pédophilie, c'est sûr. On demande de faire le vœu de chasteté à des hommes. C'est juste des hommes d'ailleurs dans l'Église catholique pour la plupart. Ça ne tient pas de bout. Tout ça tient. Le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, ça vit dans l'opulence, ça n'a même pas besoin de travailler. Tout est payé par les ouailles. Puis le fait qu'ils n'ont aucun impôt à payer, puis aucune taxe foncière à payer, nulle part. C'est nous autres, les suckers, qui payons ça. L'Église ne paye aucun impôt, nulle part. Il n'y a pas un pays qui taxe les religions, qui taxe les maisons de culte. Puis on veut te parler d'État laïque. Tu vois bien qu'encore là, c'est de la bullshit. Moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a rien qui va changer. Je fais juste vous expliquer ce qui se passe, puis comment ça marche, puis qu'est-ce qui est euh, ceci, puis qu'est-ce qui est cela. Parce qu'il n'y a personne qui parle franchement comme ça. Moi, j'ai toujours eu le don de parler franchement. Des fois, ça m'a euh, coûté des chaînes, des fois, ça m'a coûté d'autres choses. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Parce que je considère que vous n'êtes pas des enfants puis que vous avez le droit d'avoir des vraies discussions sur les vraies affaires plutôt que juste sur des éléments distractifs. La politique, Donald Trump, un de ceci, un cela, patati, patata, ça c'est juste la distraction qui est là pour d'abord nous diviser. Alors, la politique est là pour diviser, puis jamais parler des vraies affaires. C'est pour ça que ça ne change pas, puis que ça ne changera jamais. Les politiciens ne sont pas là non plus pour changer les choses. Donc, tu as le gouvernement mondial qui est là, on pourrait dire, c'est un, un monstre à deux têtes. La première tête, les religions. Peu importe la religion, elles sont toutes pareilles. Donc, chaque pays a, son, a sa tête. Si tu es en Inde, ça va être l'hindouisme. Si es, C'est ça qui contrôle la population. Si tu es ici, ça va être... Ça peut être... Mais maintenant, c'est un mélange de plusieurs religions, mais la... La majorité de chaque pays va déterminer quelle tête va à ce monstre à deux têtes. Puis, dans la deuxième tête, ben, tu as les dirigeants financiers, les dirigeants politiques, puis les dirigeants euh, économiques. les autres sont alliés. Ben, ça, c'est les banques, naturellement, mais c'est plus que les banques, c'est Wall Street, c'est Amazon, c'est Jeff Bezos, ça peut être même. Euh, Soros, qui est un grand activiste qui a beaucoup d'argent et qui, qui euh, finance beaucoup de groupes activistes pour faire avancer des agendas. Donc, ça, c'est l'autre tête, mais qui est toujours alliée à la tête religieuse. Ça, c'est ton gouvernement mondial qui a son siège social, naturellement, aux Nations unies, puis qui ont des projets mondiaux pour la population. Puis tu ne peux pas, tu n'as pas accès à ce monde-là, ce n'est pas du monde élu. Tes politiciens sont élus, mais c'est des marionnettes. Les députés, les backbenchers, ils n'ont aucun pouvoir, eux autres, ils regardent le show, puis ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils prennent leur chèque, ils leur payent leurs avantages, parce que ce n'est pas pire, ils leur donnent des avantages. Ils ont accès à un petit peu d'argent, chacun des députés a quoi, 2 millions, 3 millions de budget, enveloppe budgétaire pour faire fonctionner son bureau de comté, puis là avec ça il peut embaucher qui il veut sa soeur, sa cousine puis tout le monde est content mais les autres savent pas ce qui se passe à l'autre étage puis même au niveau du cabinet du, par exemple d'un gouvernement c'est pas tous toutes les ministres qui savent ce qui se passe sont d'abord il faut qu'ils répondent aux fonctionnaires puis aux fonctionnaires il n'y a pas un parti politique qui révolutionne un système tu as vu ça avec la carte qui ont essayé de révolutionner c'est les fonctionnaires qui dirigent tout mon ami puis c'est eux autres qui dictent les politiques. La CAQ, au Québec, qui était supposément de droite pour les business, puis patati, puis patata, est obligé de devenir gauchiste parce que c'est ça, la réalité. C'est le système qui, qui domine. C'est les hauts fonctionnaires qui, eux autres, répondent à l'appel des Nations unies. C'est les hauts fonctionnaires qui gouvernent. Puis les, les ministres ont juste à se plier. Sinon, ils vont sauter. Ils vont être changés. Le go pro-business. C'est gars-là, il n'a jamais. Il a, eu... il a acheté Air Transat en faillite parce qu'il a été supporté par la caisse de dépôt. C'est un tout il il n'a pas une scène d'imposte, il a jamais administré quoi que ce soit, il n'est même pas capable de créer un seul emploi. Si ça n'avait pas été de la caisse de dépôt, il serait dans la rue, un simple député, mais il est devenu ministre aussi pour le Parti québécois d'éducation. Un illettré, infâme illettré qui est ministre d'éducation, s'est fait torser aussi par le système parce que le système était plus fort que lui. Surtout quand tu as affaire à des gros syndicats, comme dans le milieu de l'enseignement au Québec. Il devait être peut-être pas trop pro-environnemental. Il est devenu le plus environnementaliste qu'il y a pas. Il est obligé de se plier encore là. Puis, de toute façon, c'est ça, eux autres, c'est des marionnettes, les politiciens. Tu vraiment que quelques politiciens qui sont au courant peut-être de ce qui se passe. C'est un petit peu comme dans des organisations spatiales comme la NASA. Penses-tu que le le simple travailleur qui est sur le plancher avec l'écran pour donner un show quand on te montre des images de la NASA, tu as tous les employés, ou soit en Chine ou ailleurs, qui applaudissent parce qu'on a fait atterrir je ne sais pas quoi sur je ne sais pas quelle planète, supposément. Bien, les autres ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas si ça a été fait dans le désert de l'Arizona ou dans un désert en Israël. Il y a un cratère maintenant qu'on utilise pour représenter. On fait entraîner des, des astronautes puis ça a l'air comme tout le monde des images tu as vraiment l'impression que tu es sur la planète Mars la planète rouge mais ils sont dans un cratère du désert un désert en Israël s'il y en a qui pensent qu'on est vraiment allé, tu sais qu'il y a un sondage qui dit que 30% des Américains pensent qu'on n'est jamais allé sur la lune. Mais je peux te dire une chose, il y en a plus que ça qui pensent qu'on n'est jamais allé. Penses-tu que dans les années 60 puis en 70 on est allé sur la lune avec la technologie qu'on avait dans le temps, avec des téléphones à cadran Quand tu Richard Nixon qui est assis dans son bureau avant avec un téléphone à cadran puis qui parle à l'astronaute <laughs> dans l'espace Ouais, hey, c'est Richard Nixon, le président des États-Unis. Ça va bien. Ouais, 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 ça va super bien. Il n'y a pas de... Avec un téléphone à cadran, dans les années 70, quand le gars, il est assis dans un, une capsule qui est propulsée par des gros, gros, gros réacteurs. Ces bruits-là, tu peux les entendre à des milliers de kilomètres à la ronde, puis lui, il est en train de parler à Richard Nixon, puis il n'y a pas un son qui se passe. Ce ne serait pas le commun des mortels qui travaille sur le plancher des vaches qui saurait vraiment ce qui s'est passé autres, ils qui sont même pas au courant, ils sont juste là comme travailleurs, comme figurants. Par exemple, ça, ça pourrait être une théorie. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vous présente ça comme ça parce qu'il y a beaucoup de théoriciens du complot qui présentent ça comme ça. Mais c'est à toi de tirer tes propres conclusions. Peut-être qu'on est allé, peut-être qu'on n'est pas allé. Puis tôt, plus et moi, qu'on soit allé ou non ça la lune, ça change rien à notre condition ici, puis ça changera rien à ce que je viens de t'expliquer, qui ne change pas. C'est juste la distraction comme Jeff Bezos qui veut développer le tourisme spatial. Parce que les autres, ils pensent qu'en allant dans la basse-haute altitude, ils sont dans l'espace. Ils s'en vont avec un avion, mais ils prétendent que c'est un vaisseau spatial. Ils mettent ça sur un avion. L'avion amène le, le vaisseau spatial qui est un planeur. Dans le fond, puis là, on lâche le planeur en basse-haute altitude. À la même altitude où on s'en va en avion, 35 000 pieds. Mais les autres ils prétendent qu'ils sont dans l'espace. Puis tu as plein d'histoires comme ça. Mais même ça, c'est juste de la distraction. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un Africain en plein euh, milieu de la jungle africaine, en plein conflit, en pleine misère ou ailleurs? Ça ne change rien. C'est de la distraction. C'est le monde des riches. Mais si on revient à nos moutons moi, je te le dis, c'est pas compliqué de comprendre le gouvernement mondial, c'est ça. Puis ils ont des agendas 2020. Un -20. agenda, euh, c'était tout ça, 2020, -20, puis 2030. C'est de prendre possession de tout ce qu'il y a. C'est ça qu'ils sont en train de faire. As-tu vu le prix des maisons, le prix des terrains? Il n'y a plus personne qui peut acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Et tu vois, les, les, grands, euh, les, les grands de ce monde, hein, des Bill Gates, des Jeff Bezos, beaucoup de riches chinois aussi, achètent plein de propriétés partout. On achète les ports, on loue les ports, on loue ou on achète les, 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 les voies ferrées, les, les transports ferroviaires partout. On achète les fermes partout. Il n'y a plus personne qui est capable de pratiquer le métier de fermier parce que c'est trop cher. Puis de toute façon, c'est tous des monopoles, c'est tous des mafias qui contrôlent toutes les quotas et ainsi de suite. Les gouvernements sont de mèche avec ça. C'était ça le but, c'est qu'il n'y ait plus de famille qui soit capable de pratiquer le métier de fermier. On veut prendre possession de tout. On est en train de te voir à cause du prix des maisons. En tout cas, à l'aval, Montréal, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Construire plein, plein, plein d'appartements. Moi, je me promène parce que j'ai commencé Uber et Dartas. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. C'est vraiment cool. Je vois plein de constructions par Puis il n'y a plus personne qui est capable de s'acheter une propriété. Il y a un an et demi, la propriété moyenne coûtait 250 000. Elle est rendue à 500 000. Sans aucune explication, en pleine pandémie où le monde n'a pas d'argent et ont pas de job, bang, ça c'est arrivé. Puis apparemment, tu ne sais pas pourquoi. Comment c'est arrivé? C'est un miracle. Dans le plan de 2020, l'agenda 2020 ou 2030. 20, 20, de rendre inaccessible la propriété pour que les autres prennent possession de ça, des terrains, on démolit les vieilles maisons, puis on construit, puis on construit des tours parce qu'on veut tout vous amener en ville. Parce que ça va être facile de... ou plus facile à gérer, ou je ne sais pas, c'est quoi leur idée derrière tout ça, vraiment, dans des villes intelligentes, ce qu'on appelle des villes intelligentes, on essaye de te vendre ça, villes intelligentes, dans le fond. C'est que tu as des caméras partout, des, du contrôle partout. On veut un citoyen parfait. On ne veut plus que tu dises telle chose, que tu utilises tel langage. Hein. Euh, on veut vraiment que tu sois correct, politiquement correct, et que tu n'aies plus de pensée personnelle. On veut que tu aies une pensée nationale ou mondiale ou commune, dans le fond. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Puis, tu vas être contrôlé comme ça, dans le sens où tu vas être, auras pas le choix d'aller vivre dans, d'aller dans ces tours-là parce que tu pourras pas t'acheter une maison. As-tu vu ton salaire puis le prix des maisons? Moi, je sais pas qui achète ça, mais à un moment donné, il y a du monde qui sont plus capables de payer. Comment tu peux acheter une maison qui valait 250 000, 500, 500 000 aujourd'hui avec le même salaire? Ça passe pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Naturellement, on veut contrôler toute l'eau partout. D'ailleurs, l'eau ne t'appartient pas. Quand on dit au Québec, on a 75 000 lacs et rivières, on a plein d'eau, on a plein d'eau. Mais cette eau-là, ça ne vous appartient pas. Il n'y a rien qui vous appartient. Tu essaieras d'aller embouteiller de l'eau puis de la vendre si ça t'appartient. Ça ne t'appartient pas. C'est juste, encore là, le système qui vous engourdit. D'ailleurs, même le terrain que tu achètes pour te faire construire une maison ne t'appartient pas. Tu vas payer des taxes toute ta vie là-dessus. Si tu à un moment donné. T'arrêterais de payer des taxes. Donc, tout ça, c'est de l'illusion. Le monde est en train de changer. Je vous le dis, c'est hallucinant. Regardez ce qui se passe autour de vous pour ceux qui ne sont pas engourdis et qui n'ont pas juste la tête en bas sur leur téléphone portable. Regardez ce qui se passe autour de vous. Ça pousse dans les villes comme des champignons. Le prix des maisons est devenu inabordable. Tu t'en vas vers inévitablement ce qu'on voulait. Hein, c'est envoyé dans des villes qu'on prenne possession de toutes les terres. On va te prendre en charge, peut-être, je sais pas c'est quoi leur plan. Un espèce de grand projet communiste, socialiste, bienfaisant, bien pensant. Mais le monde change. Les économies changent. On a un nombre record aux États-Unis. Mais j'imagine que c'est partout dans le monde de travailleurs qui ont quitté leur emploi en, au mois d'août, principalement dans le secteur de l'alimentation et de la vente au détail. Les gens sont écoeurés de travailler dans ce milieu-là. On avance la robotique beaucoup. Je pense qu'il y a Toyota qui a un plan, un, une, un, 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 un emplacement, une manufacture, une usine où il n'y a rien d'humain, tout est automatisé. Intelligence artificielle robotique de A à Z. Donc un nombre record nous apprend euh, CNBC. Les postes vacants sont tombés à 10 millions au cours du mois, soit une baisse de 659 000 par rapport aux 11 millions revisé à la hausse en juillet. Les travailleurs ont quitté leur emploi à un rythme record en, en août les, euh, et les employés de bar et de restauration et de restaurants ainsi que le personnel de la vente au détail démissionnent en masse, a rapporté mardi le département du travail. Donc ça c'était cette semaine, les démissions atteignent un nouveau record sommet depuis décembre 2000, alors que 4.3 millions de travailleurs ont quitté leur emploi. On est en train de se recycler, c'est ce que nous apprend CBS. Pourquoi certains jeunes travailleurs quittent leur travail de bureau pour travailler dans des fermes. Mais c'est parce que là, travailler dans des fermes, oh, mais pas dans ta ferme parce que tu n'auras pas les moyens de t'acheter une ferme. Il nous dit, c'est comme ça que je veux que ma vie se déroule. Naturellement, tu auras besoin de gens pour aller travailler sur ces fermes que les, les Bill Gates de ce monde achètent partout. James Marriott part au travail avant euh, le lever du soleil, son trajet. Commence dans les rues bondées de Boston et se termine à Drumlin Farm, diplômée en neurosciences et en, sciences, ou en, et en santé mondiale, la jeune femme de 24 ans a récemment accepté un nouvel emploi dans l'agriculture. C'est un ensemble de compétences très différents, loin du laboratoire d'une société de biotechnologie où il travaillait auparavant au développement de vaccins. C'était, vous savez, une décision très intentionnelle, pas quelque chose comme si euh, j'étais, je ne sais pas euh, quoi faire, laisse-moi juste aller travailler dans une ferme. C'est ainsi que je veux que ma vie se déroule. Donc, il y a plein de gens qui changent de profession, qui se remettent à des passions. Le, la pandémie a naturellement amené une prise de conscience incroyable, mais l'agenda 2020-2030 des dirigeants, des dirigeants de ce monde, autant religieux. Tu vois la complicité de l'Église catholique et du pape et du Vatican avec les Nations unies et tout ce qui se fait. Et il n'y a rien qui se fait pour le petit monde. C'est toujours de contrôler, contrôler. On s'en va vers quelque chose d'extraordinaire. En Chine, c'est déjà avancé, beaucoup. Hein? Les gens vivent dans des grandes tours, dans des cités, des villes intelligentes. La Chine étant le leader de la ville intelligente, où tu as des caméras de reconnaissance faciales partout. Si tu traverses une rue, à un coin de rue, sur un feu rouge, ton visage est filmé, photographié, on t'affiche on, on, sur les panneaux partout pour, te, pour montrer aux gens comment tu es un mauvais citoyen et on t'envoie une contravention. Parce qu'on veut que tu sois un bon citoyen. On ne veut pas que tu parles contre les gouvernements, on ne veut pas que tu t'élèves contre le système, sinon tu vas être censuré, naturellement. On veut que tu obéisses. Et c'est comme ça qu'on s'en va bon, bon en malin et le monde aime ça. Les gens sont toujours connectés sur leur téléphone. Si tu veux éliminer l'idée d'un gouvernement mondial et éliminer le contrôle, c'est très facile, mais il n'y a personne qui a le courage de le faire. C'est d'abandonner vos réseaux sociaux, abandonner Internet, abandonner les téléphones portables. Moi, j'aimerais savoir ce qui arriverait si demain matin, l'humain, nos frères, nos sœurs ont le courage de juste poser ce simple geste Déconnecte-toi d'Internet. Déconnecte-toi de ton téléphone portable. Tu dis, moi, j'en veux plus. Payez plus vos factures de portable, payez plus vos factures d'Internet. Débranchez-vous de Twitter, Facebook. Mais vous n'êtes pas capable, vous êtes accroché à ça. Et c'est comme ça que goutte par goutte, on vous a parlé couille et qu'on vous tient otage. Parce que vous êtes otage de vos propres envies, de votre propre besoin d'aller sur votre réseau social, dans le fond d'aller sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur. Lâchez tout ça. retourner à une vie normale. Lâchez. Vous allez voir le monde s'écrouler, le pouvoir du système s'écrouler. Qu'est-ce qui ferait les gouvernements? Si demain matin, tous les Français, tous les Québécois, tous les Américains disaient « Moi, j'en veux plus de portable. J'annule mon forfait. Reprends ton putain de téléphone. Annule-moi mon Internet. J'annule ma page Facebook. » Si tout le monde annulait sa page Facebook demain matin son compte Twitter, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu penses qui arriverait? Le système serait en pleine, pleine perte de contrôle, en panique, en mode panique! Mais, naturellement, il n'y a personne qui veut faire ça. Tu veux mettre fin à tous les programmes, à tous les agendas 2020, 2030, 20, 2060, 2070, 2090? Lâche tous tes réseaux sociaux. Lâche ton téléphone. Désabonne-toi de ton Internet. Lâche tout. Tu vas voir qu'il n'y en aura plus de contrôle. Parce qu'avant, le monde n'était pas contrôlé. Le monde était pas mal plus smart. Là maintenant, tous des moutons. Es-tu capable de faire ça? Tu veux faire tomber le système, c'est la seule et unique façon. Je te reviens.